N'ayez pas peur de sortir de votre quotidien et de vous dépasser, même si cela demande du courage. Dans les Alpes, 82 montagnes dépassent les 4000 mètres d'altitude. Aujourd'hui, on va essayer d'en gravir une. Le Grand Paradis. Ça y est, on y est. L'aventure va commencer. Je vais aller chercher Hugo. Ensuite, on va chercher Dylan. Et ensuite, on va chercher Robin. Il y a un peu d'excitation. Un peu de stress aussi. Ça va être dingue. J'ai 10 minutes de route. On va chercher Hugo. Et on se retrouve là-bas, les gars. Alors, mec, ça va quoi? Là, je suis content. Tu es content là. Voici Hugo, Hugo Sarro, 33 ans. Donc, comment s'est passé le début de cette aventure? J'ai discuté un jour avec Camille Houd de l'envie de faire de la montagne et plus particulièrement du Mont Blanc. Et 2-3 mois après, j'ai eu la bonne surprise de recevoir un appel de Camille qui avait organisé un peu tout ça et me proposait de faire partie de l'aventure avec lui et les autres. Donc, c'est avec grand plaisir. Malgré le fait que je sois un peu le daron du groupe avec la différence d'âge, mais il n'y a pas de souci, c'est top, on s'entend tous bien, donc c'est parti pour l'aventure. Alors, comment il va celui-ci là? Tu es prêt au combat, à la guerre? Ah putain, yes! Putain! Bon allez, bourre-moi tes affaires là! Bien sûr. Oui, oui, monsieur. Moi, c'est Dylan, j'ai 25 ans, je suis le frangin à Camille Houd, et je suis là parce que j'adore la montagne et que mon frangin m'a un peu obligé, voilà, c'est pour ça. Avec Cam, Robin, surtout, tous les trois, on a toujours voulu faire l'expé Mont Blanc. On en a parlé d'abord tous les trois pour savoir quelle voie on voulait faire. On a vraiment commencé à étudier le Mont Blanc tous les trois. Et après, plus ou moins chacun de notre côté. Et Cam a concrétisé le truc avec ça, avec ce projet-là, pour qu'enfin on puisse réaliser cet objectif. Alors ? Ça va ? Ben oui, hein. Grand poulet. Toi ? Ça va bien. Alors ? Ça va ? Tu es prêt ? On y va ? Prêt à en découvre. Alors moi c'est Robin, Robin Wenzo, du coup je suis le cousin de Camille et de Dylan aussi. Moi je suis là parce que en gros le projet de base, donc monter le Mont Blanc, c'est l'objectif final. C'est cet objectif final, on l'a eu tous les trois ensemble, on a eu l'idée de monter le Mont Blanc ensemble. Et voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette merde. Ça y est, on est enfin tous les quatre, maintenant on va pouvoir partir direction Annecy. Mec, moi je sors d'une semaine de dingue, du coup je prends pas conscience de ce que je vais vivre en fait, que je vais faire un effort de fou alors que ça fait un mois que je m'entraîne pas. Et là, je suis avec eux et je kiffe mon moment et je me dis bon ben, je m'en chier mais je suis quand même content. Grosse excitation, hâte d'y être, hâte d'arriver à Annecy et surtout hâte le lendemain pour le départ. Moi je m'entraîne, disons, pas spécifiquement pour ça, mais après toute l'année je garde une activité tout le long de l'année, quasiment chaque jour de la semaine. On a fait aussi beaucoup de ski cette saison, donc beaucoup d'autres montagnes entre guillemets. Donc j'étais quand même assez bien acclimaté, mais bon après c'est pas le même effort, mais bon j'étais entraîné dans ma tête. Donc direction Annecy à l'appart, on va faire les courses. Comment je me sens? Je me sens plutôt bien, content d'y être. Cette première expérience en montagne avec, pour moi, première expérience de ski de rando, jamais chaussé de ski de rando, donc un peu d'appréhension quand même de pas connaître la technique et de beaucoup me fatiguer par manque de technique. Donc on verra ce que ça donne, mais assez confiant, s'est entraîné quand même. Bonne ambiance dans la voiture, tout le monde est content, c'est bien là l'essentiel. 35 ans de pétacitude, on va faire les courses. C'est la chef. Tu vas faire les courses toi? Ouais, je vais acheter du poulet. Allez hop. Comme prévu, les petites courses pour le repas du soir, prévoir tout ce qui est ravito, repas du lendemain, les petites barres, un peu l'énergie, et essayer de prévoir ce qu'il va nous falloir pour cette ascension. On a fait jouer un peu le daron qui est en moi, et gérer un peu ses petits enfants, ses petites âmes folles qui voulaient manger que des choses bizarres. Donc au menu, ce soir, pâte à la carbo, parce qu'il faut quand même allier ce qui est bon et avec le bon plaisir. Donc bonne pâte à la carbo, made in Sarro. Et pour demain, donc différents sandwichs, jambon, kiri, pain de mie, tranche de pain, parce que les enfants, ils veulent que du pain de mie et c'est pas bien. Et voilà, des petites compotes, des petites barres et on est bien, en avant. Le petit-déj, très important. Œufs brouillés,
et jambon. Ben là, on vient d'arriver, je suis en train de décharger les affaires. Et en discutant dans le van, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais des gourdes, mais que j'aurais dans le sac. En marchant, ça va me saouler d'enlever le sac pour m'hydrater. Donc, je pense qu'on va aller dans un centre commercial pour acheter une flasque en plastique ultra souple, là, qui réduit au fur et à mesure que tu la consommes, pour pouvoir m'hydrater tout le long, quoi. Parce que je suis un mec qui crève la soif. Donne-la moi. Mais en fait, j'ai deux mains, du coup. Il y a l'épineur et l'épinée dans la équipe 2. Moi, ce qui me manquait, c'était les couteaux, parce que j'ai des fixations particulières et dimensions de ski un peu grandes, entre guillemets. Donc, j'avais pas réussi à les trouver en amont. Enfin, le délai de livraison, c'était trop juste pour le départ. Donc, je les avais pas. Et il manquait un cache-cou. Voilà. Donc ça, indispensable. Bon ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? On va aller brûler de l'oseille maintenant? Boire des mousses? Et fouille? On va faire les magasins? On a assez de pain de mie pour ouvrir un snack. Mais déjà, ce soir, on va en tuer quelques-uns avec des pâtes. Mais fais... Non. Après, sandwich, les petits, Ah oui, les pain de mie. Et demain, au petit-déj. Petit-déj, les œufs. Et tu vois, ça veut dire quand tu seras comme ça. S'il est posé là, le pain de mie, tu vas pas le... On part direction le centre commercial pour essayer de trouver des couteaux pour Robin et une gourde pour Dylan et aussi le tour de cou à Robin. Bon, petite séquence bouffe. On est le soir, la veille du jour J, dangereux. Qu'est-ce que tu nous as prévu au repas, Hugo? Dis-nous tout. Vu que demain on va en Italie, on va faire des pasta, peneriga, si. Lardon. Voilà. Attends, par contre, on n'a pas le droit de dire que c'est une carbo. Non, c'est vrai. En plus, on va en Italie. C'est une carbo à la française. À la crème. Grand popper. Oui. Regarde-moi ça là. Ça pète. Je sais pas si cette histoire sera bien là. Calme. Et après, ah oui. Et ensuite, on va avec Dylan et Robin qui sont en train de faire un point de matos, c'est ça? Bah, rapidement. C'est ça, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On est en train de faire un petit check-up sur les sacs et on commence à comprendre qu'en fait, on va être lourd. Parce que de base, on voulait partir vraiment hyper léger. Il va falloir mettre les crampons dedans, l'eau, mine de rien, ça pèse hyper lourd. Il va falloir mettre toutes nos tenues, les batteries de toutes les GoPro. Le drone, moi j'ai un drone, les gars, à mettre dans mon sac. Donc j'espère que je vais l'utiliser, parce que sinon, j'ai 500 grammes pour rien. Du coup, on a tous normalement des lunettes catégorie 4. Yes. Hugo, il a des lunettes de l'an 40, elles sont hyper jolies. On est tous un peu plus jaloux les uns que les autres. L'an 40. Vous voulez voir ça? Vous voulez voir ça? Ah oui. Regardez. Regardez mes lunettes de l'an 40. Petit cuir? Oui, monsieur. Voilà. Là, tu es quelqu'un. Dans mon sac, il y a mon baudard, les crampons, les couteaux, les pots, bien sûr. Il y a une trousse de secours, avec surtout du Doliprane et des Smecta. Il y a du PQ, il y a des lunettes de soleil et à mort de barres de céréales. On a fait un petit débrief de tout ce qu'il fallait faire demain et je crois que vous n'êtes pas prêts. Et pas faire, surtout pas faire. Et en attendant, on faisait des petits sandwichs là. Il y en a 32. Voilà. Il y a 5 petits pains au lait par personne. Mais pas ça. Ça tombe. Mais non, ça tombe pas. Frère, c'est la tour de piste en Y là. Ça vient. Attends. Oh, les prix Nobel. Hugo, 54 ans. Voilà. Pour le dire la vidéo, il a 54 ans. Ah oui, c'est vrai, ça filme. Faites-vous ce que vous voulez de cette information. Je me fais daronnette. On a bien un billet de plaque. Dans la vie de tous les jours, j'ai 2 enfants, mais aujourd'hui, j'en ai 3. Ça y est, on est dans le lit, les gars. On se dit bonne nuit. À demain, en forme. Enfin, on y est. Boum, le réveil, il fait plaisir. Il fait plaisir ce réveil ou quoi? Il fait froid, ouais. Ouais, c'est vrai. Tout mon matos vidéo, mon matos de sac, c'est là-dedans. Et il faut que je le mette dans ce sac-là, là-bas. Et après, on est parti. Allez. On va déjeuner. On a des œufs à faire avec du poulet. Ah, ça y est, j'ai pas envie de manger ça, c'est maintenant. On va se régaler là, dis donc. Petit déj de champion. Ça va, Robinou? Ça va. Tu veux comment en sec ou coulant? Moi, coulant, j'aime bien. Je
Donc cette nuit, pas la meilleure nuit, on était serré avec Camille, on avait un petit lit pour deux, donc bon, pas la meilleure nuit, le matin, un peu dans les vapes, mais bon, prêt à partir, excité, bon petit déj, manière de prendre le plus de force possible, parce qu'on savait qu'après on allait bouffer que des bars quasiment, et donc après on y va, go. On est enfin prêt, on est en train de mettre toutes les affaires dans le coffre du van, et là, l'excitation commence à vraiment monter, on est tous les quatre un peu tous euphoriques. Hop là, on est prêt là. Mais en même temps, moi je commence un peu à avoir un peu de stress parce que c'est quand même moi qui les ai amenés tous ces ouaves là. Donc c'est un peu ma responsabilité, tu vois, de me dire, je les emmène là-haut, ils vont en chier, j'espère qu'ils vont pas être dégoûtés. Donc petit stress qui commence à s'installer, en plus on a énormément de choses à faire. À Chamonix, il faut qu'on aille chercher les couteaux qu'on n'a pas trouvé hier, il faut qu'on aille chercher les skis, les bâtons et en gros tout le matos de ski de rando d'Hugo. Et après, il faut retrouver le guide. Pas mal de choses à faire. J'espère que qu'on va pas être en retard et qu'avec le guide ça va bien se passer. On vient de se garer, on trace pour aller au magasin pour récupérer toutes les affaires de ski de rando à Hugo et quand on arrive devant, le magasin fermé. Du coup, ben, on a attendu. Et il nous a fallu aller chercher le matos que je n'avais pas, donc à savoir les skis, peau, couteau et bâton adapté, bâton réglable pour adapter à la montagne. On va du coup rejoindre Robin et Dylan qui sont allés récupérer des couteaux pour Robin et on est bon. C'est bon, on a trouvé les skis. Là oui, let's go. Maintenant, il n'y a vraiment plus qu'à. Il faut qu'on retrouve le guide, qu'on fasse un petit point matos et normalement, après on prend la route direction l'Italie. J'ai appelé le guide pour savoir où est-ce qu'on se donnait rendez-vous. Du coup, il nous a dit, bah, venez chez moi. Donc, on a rejoint le guide. On est enfin avec lui, là. Et trop sympa. Déjà, hyper bonne ambiance. C'est good vibes. On est trop bien. On est un peu stressé. Mais il nous a dit, on va faire un petit briefing avant d'y aller. Sur, on va faire un point météo, un point technique. Il veut apprendre un peu à nous connaître. Alors, du coup, ben, moi, je suis Sylvain Frindeau. J'ai 50, bientôt 5 balais. Je commence à être un vieux guide. Ça fait plus de 30 ans que je fais le métier de guide. Je vis donc à Chamonix. Depuis quelques années, j'ai diversifié un peu mon activité. Et du coup, je m'oriente un peu plus vers la formation sur l'été comme l'hiver et un petit peu d'observation, un petit peu même pas mal, d'observation niveau. Je travaille avec Météo France sur la communauté de communes de Chamonix. Okay. Et du coup, je fais le boulot de guide traditionnel, on va dire, avec des clients. Comme on fait là aujourd'hui, ça doit me prendre un tiers de mon activité. Là, je suis en train de réaliser qu'on ne va pas faire n'importe quoi. Mais du coup, Sylvain, il commence à nous parler de météo. Et là, moi, je prends une claque. Je me rends compte qu'en fait, il va faire monstre froid et qu'il y a énormément de vent. Et ça, moi, on l'avait un peu regardé vite fait. Mais là, lui, il nous montre un site météo un peu mieux. Et il nous explique que bon, ça peut évoluer, mais que ça fait déjà hier, c'était comme ça. Là, on sait qu'on va dans le dur. Ouais, là, Sylvain, il nous remet les pieds sur terre. Il nous fait comprendre qu'en fait, on part pas n'importe où. Ça va être compliqué. La météo, elle est pas du tout avec nous. Enfin, on a un peu de soleil apparemment, mais on va avoir du vent. Il va faire froid. Il nous dit que le sommet, il était à moins 20 aujourd'hui. Donc, j'imagine pas demain avec plus de vent. On croise les doigts pour que ça change, mais il faut quand même y aller. Le Grand Paradis. Un sommet qui culmine à plus de 4000 mètres d'altitude. 4061 mètres pour être exact. Il se cache dans la vallée d'Aoste, en Italie, au fond d'une vallée, tout près d'un petit village appelé Pont. Sa première ascension date des années 1860 par quatre alpinistes de renom. John Jermyn Cowell, William Dundas, Michel Clément Payot et Jean Terraz. Pour gravir le Grand Paradis, on a choisi l'itinéraire en deux jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire 780 mètres de dénivelé positif pour arriver jusqu'au refuge Victor Emmanuel II. Et demain, on a le double à faire. Ça veut dire qu'on a 1600 de dénivelé positif pour arriver jusqu'au sommet à 4061 mètres. Et bien sûr, on va faire tout ça en ski de rando pour pouvoir rider le Grand Paradis. Ouf. Hop là, c'est arrivé là mon gars. Bienvenue en Italie, bienvenue au pied du Grand Paradis. Et ça c'est plutôt bueno. Les chaussures sont au pied. On est paré au combat là. Ok. 2 heures normalement pour arriver là-haut. Mais Dylan il a dit 3, ça me va. Oui, 3 ça me va.
Et Robin, il a dit 1h30, ça se fait. Voilà. Il y a plusieurs écoles. Oui. Non, j'ai pas dit ça se fait. J'ai dit à combien il faut aller. 300 mètres heure. C'est ça qu'on a dit? Ça, c'est minimum. C'est minimum. Minimum accessible. C'est ce qu'on va faire, Dylan. 300 mètres seconde. Je suis en train de me rendre compte que je vais décéder. 300 mètres heure, frère, c'est pas faisable, tu vois. Donc, ok. 200, ok. Mais 300, impossible. Donc, en vrai, je vais voir. Je vais les suivre. Et puis, en fait, je vais les suivre, mais ça se trouve de loin, quoi. Je vais aller surtout à mon rythme. J'ai pas envie d'exploser. J'ai qu'une envie, c'est d'y aller, en fait. Je me dis, en fait, je suis là, je suis bien, je profite de mes chaussures, je profite d'être en basket, parce que je sais que là, après, je vais mettre les chaussures de ski et que ça va faire un peu mal, tu vois. Du moment où j'ai mis les chaussures de ski, là, et que je vais mettre les skis, je vais être dans ma bulle et je sais que j'ai un objectif, c'est d'aller dormir dans le refuge, alors je vais faire les 300 mètres de dénivelé en une heure. Voilà, je suis une machine. Bon, Robin, c'est quand tu veux, on y va. Ouais, hein. On est prêt? Je suis prêt, il a dit. Je vais enculer. Tu sais, elle a même pas son sac dans le dos. Mais parce que je t'attends, moi, et je sais que tu mets 1000 ans. Foutage de gueule là. Foutage de gueule. Formel. Regardez comment c'est joli là. Et nous, on va au-dessus de ça. Petit test DVA, et après, on est sur le top départ. Bon, mais il est 14h12 et c'est top départ pour la Familia. Hein, Hugo? Premier, mon gars. Premier maître de ski de randonnée. Voilà, c'est vrai, Hugo, voilà. Première fois. Bon, mais on est parti pour 2 heures de rando. Dur. Dur, dur. Premier mètre, la découverte du milieu. Découverte du matos. Avec mon bon Didou. Et puis voilà. Ah, j'ai fait 100 mètres, on va bien. Déjà avoir chaud. On vient de commencer, ça grimpe tout juste. Dans la pampa de la Luna. Petit arrêt, on met les skis dans le sac à dos, c'est ça? Affirmatif. Et après, on continue à monter parce qu'il n'y a pas assez de neige. C'est trop raide ou c'est qu'il n'y a pas assez de neige? Il n'y a pas beaucoup de neige sur le chemin au milieu de la forêt. Il y a de la neige, mais au milieu de la forêt... pas trop, quoi. Ça n'a pas suffisamment gardé tous les arbres. Allez, et on se déshabille un peu. Hein. Première fois qu'on chausse des skis de rando, donc comme prévu, hein, je suis un peu à la ramasse niveau technique, mais on compense un peu avec la caisse. Donc jusqu'ici, tout va bien. Mais là, on va entamer une petite partie un peu particulière. On remet les skis sur le sac à dos et nous voilà partis pour une rando en forêt avec des magnifiques chaussures de ski au pied. Donc, encore une nouvelle expérience, mais ça va être bien. Tout le monde a la caisse, tout le monde a le sourire. Jusqu'ici, tout va bien, c'est top, pourvu que ça continue et que l'aventure soit belle. Bon, ben là, c'est vraiment, vraiment lourd. C'est un peu dangereux, dangereux même. Bon, là, on y est. C'est le début du chantier. On a déchaussé et on monte... droit dans le pentu. Regardez-moi ces zèbres là qui passent à travers les arbres. Ça, c'est pas une espèce en voie de disparition, cela. C'est danse avec les loups. Ah oui, oui. Oui, oui, danse avec les loups, oui. C'est bien le rythme, calme. On est à un quart de l'ascension. Là, ça commence à tirer, hein. On a fait pas 300 mètres de dénivelé. Les autres, ils sont là, Didou et Robin. C'est Robin qui ferme la marche. Mais les sacs à dos sont lourds. Très lourds. En plus, avec les skis, là, waouh. Ça tue. Ouais. On s'est fait surprendre par la chaleur au début. Et là, on a commencé, du coup, le trajet dans la forêt. Là, vraiment... On a mis les skis dans le dos. Moi, pour ma part, j'ai le matériel pas le plus léger. Mais bon, ça commençait vraiment à peser sur les lombaires. Montée efficace, du coup, parce que le dénivelé, n'empêche, on l'a quand même pas mal mangé. Mais ouais, c'était particulièrement parlant, c'était compliqué. Le moment où j'ai enlevé le sac, je revivais, quoi. J'ai fait... J'avais enlevé 40 kilos de mon dos, j'en pouvais plus. Bravo, le sel. Ouais, ça va. C'est mieux là. Ils sont là, regarde-moi tous ces oeufs là. Moi j'ai signé pour un ski rando quoi. Là non, je me suis frappé 300 mètres de dénivelé avec les skis sur le dos. Donc vraiment dur. Et arrivé sur le plateau, je me dis enfin, je vais être dans la neige. Et je commence à voir un peu du paysage.
Le seul truc, c'est que je commence à avoir mal aux adducteurs de 12. Bon, la couleur, les gars. Vous êtes combien à combien, là? Moi, j'étais dans le jaune. Jaune? Dans le jaune-orange, là, je suis redevenu vert jaune. Ok, ça passe. Moi, dès que j'ai enlevé le sac, je suis redevenu vert comme les skieurs. La même couleur. C'est vrai que le sac était moelle. Et toi, t'es bien? Vert? Il était lourd. Ouais, je m'attendais à en chier des bulles. Des ronds charbons. En fait, je me suis mis dans les pots. Bah, t'es interdit de brancher dans le sac. Pour l'instant, je suis pas branché là. Moi, ça va. C'était dur là, parce que le sac, il était vraiment lourd. Mais au final. Ah, le sac est lourd. Moi, j'ai... Le sac est lourd. Avec les skis, j'ai bloqué dans les pas. Et là, t'as bien fait. Prochaine fois, je fais ça. Comme au but, j'ai bloqué dans les pas de Erwan devant. On y va? Comme vous voulez, allez. Moi. Allez, let's go. Andiamo, andiamo, andiamo. Italia, Italia. Tu veux fermer la marche, Robin? Je ferme. Allez. On rechausse les skis. On est reparti un peu sur un enchaînement de petits plateaux et de petites montées qui s'enchaînent assez bien. J'essaye de rester dans les pieds du guide pour essayer de calquer un peu la technique, vraiment la partie qui me manque. Voir tout ce qui est système de conversion, tout ça, donc avec le guide qui m'explique à mesure. Il n'y a rien de compliqué, mais quand on l'a jamais fait, faut s'y atteler. Donc ça s'est plutôt bien passé. Je suis assez content de moi. On continue comme ça. On va voir plus haut si avec la fatigue qui arrive, j'arrive toujours à faire mes conversions. Mais ouais, c'était un bon moment. Tout le monde suit. Tout le monde à la pêche. Si je garde un rythme constant, j'arrive à rester dans le jaune. Si j'accélère, je suis mort. Et si je freine, je suis mort. Moi, j'ai plus de jus. C'est vrai ? Mange une barre là, tranquille, là, au propre. J'ai mangé là. Franchement, je l'ai mangé. Tiens, m'a pas vu faire. Là, on a combien du refuge là ? Et bah, tout à l'heure, l'équipe d'avant nous disait à son altimètre qu'il était 100 mètres au-dessus du refuge. Non! Donc on va bientôt arriver au sommet. Mais on est bientôt au refuge du coup là. Mais là, moi ce que j'avais en altitude, j'avais 2600, ouais, donc on est. Ah ouais, moi non, j'ai. On monte encore, on bascule derrière et puis. Moi j'ai 2490 mètres. Elle me dit qu'on a monté 596 mètres. Ouais, donc. C'est ça, un peu plus de 100 mètres, c'est ça, 150 mètres. Eh bah, c'est bien donc, ça. Donc 5 minutes? 5 minutes, ouais. Ouais, d'abord on mange la barre alors. Didou, il en est à 25 bars, Camille est 75. Non, moi j'ai mangé deux barres là, je suis content. Les gars, on voit enfin le refuge, papa! Oh yes, sir! Oh là là, le plaisir! Ah ouais. Oh, il est tout au fond là-bas, mais c'est ça, quel plaisir de le voir! Le rythme était pas mal, on était en jambes, mais bon, on commençait déjà à sentir le dénivelé quand même qui était passé auparavant. Et là, on voit le refuge, trop content de le voir parce qu'on se dit ça y est, on a bouffé les 700, on a bouffé la première journée, quoi. Les copains étaient pas loin derrière, donc ça c'est cool. Content, premier jour fini, il restait le plus dur. Le refuge, les deux frangins, ils arrivent. On a fait combien de bornes et combien de dénivelé? On sait ça ou pas? Ça c'est Hugo qui va savoir. Hugo. Parce que moi elle s'est arrêtée à 796 pour 5,23 km. En combien de temps du coup? 2h30. Mec, t'as fait 800 mètres de dénivelé, pas 700. Je crois bien que ce n'est pas pareil. Je crois bien aussi. Après 2h30 de marche, plus de 5 km et nos fameux 780 voire 800 dénivelés positifs, on arrive au refuge. Et je suis exténué. On est vraiment fatigué. J'essaye de faire genre parce qu'on est tous ensemble. J'ai la caméra, on est filmé. Donc je fais genre, je suis bien. Mais intérieurement, je suis vraiment fatigué. Et je me dis, oula, demain, c'est le double. Plus l'altitude, j'espère que ça va le faire. Mais la récompense, c'est quand même qu'on doit visiter le lieu maintenant. On va découvrir ce refuge. Donc on a les chambres. Le repas, c'est 19h. Ok. Ce soir. Ok, bien pris, dans 2h on mange. C'est bon. Quelle heure il est là? Non, c'est 16h40. Ah, ça va, on est pas mal. Petit-déj, j'ai 6h. Okay, allez, parfait. On se lève genre 5h30, on se prépare et puis. Petit-déj, 6h. On mange et on met les chaussures et blam. Parfait. C'est parfait. Gaspacho. Nous, ça nous va. De toute façon, vous avez pas bien le choix. Hein. Tac, et donc à l'intérieur, ouais, à l'intérieur, à droite, là, il y a des. Plein de crocs. Des crocs. Allez, super, on va chercher des crocs. Ah ouais.
j'ai rien enregistré. C'est X, c'est nul ça. Il y a tout qui appuie sur les boutons. Comment vous êtes bien là? Ça sent l'écurie de cheval. Ah ouais. Mais ça va, après tu t'habitues. Du coup, on a récupéré. Dans 15 minutes, je suis habitué. On a récupéré les petites crocs du seigneur là, on est au top du top. Mais attends, moi je vais aussi enlever les godasses. Hein. Non, non, mais toi t'attends. Non, non, comment ça, moi j'attends. Tu filmes un peu et après tu verras. Non, regarde, je vais vous poser là, les copains. Dès qu'on a des champs, du coup, c'est dingue. En fait, si je relativise pour le moment, j'aurais pris une flasque d'eau. Ouais. Une flasque d'eau et une barre. Voilà, c'est tout ce que j'aurais dû en prendre. Ah ouais, il faut prendre ça du coup. Oh là, voilà. Le casque. Deuxième étage, hein, Didou. Oh, c'est monstre grand. Ok, ça va être dingue en fait. Je pensais qu'on allait tous dormir, qu'on allait être 32. Je perds mes crocs dans la montée. C'est m'arrivé deux fois aussi. Faut que je mette le mode 4x4. 25-26. Alors tous les ronfleurs ensemble. C'est-à-dire bah, Dylan tout seul, okay, alors. Allez, ciao, je change de chambre. Non mais il y a le guide, il va non, se mettre seul je crois. Waouh waouh waouh. Du coup il y a des ronfleurs là. Dylan. Pas moi non plus. Ah. Donc, je le mets dans la contre-chambre de Dylan, voilà. Non, on a les boules de caisse. Moi aussi là. Ok, hyper dangereux. Alors, moi je dors en bas. Voilà, je vous annonce. Donc on arrive au refuge, super content parce qu'on s'attendait pas à ça du tout. On s'attendait vraiment à quelque chose de plus misérable entre guillemets. On va choisir la chambre tous ensemble. Au moment de choisir les chambres, on s'est dit qui ronfle pas, manière d'optimiser la nuit le plus possible. On savait très bien que Dylan, voilà, c'était son petit point fort de ronfler. Moi j'ai évité ça. Je suis allé dormir avec Sylvain. Je me suis dit, avec un peu de chance, le guide ronfle pas. Je me retrouve en chambre avec les deux frangins. Donc c'est top, petite chambre de 4, on se retrouve que tous les trois dessus. On est bien, les lits sont quand même top confort. On a posé tout le matos, on nous a fourni les crocs du seigneur, donc on est bien. Et là, on va rejoindre Sylvain en bas, boire une petite bière pour le plaisir. Parce que c'est quand même l'item le plus important du week-end, se faire plaisir. Final, tu vois. Waouh, 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 la couche. Demain, c'est le double avec le même. Demain, c'est pas bien ça. Et on fait que 5 bornes. Non, c'est 10. Ah, c'est carrément. Demain, c'est 10 bornes avec 1400 dénivelés. Donc, exactement le même qu'on a fait. Waouh, waouh, hyper dangereux ça. C'est le houblon, c'est ça? Normalement, ça fait du bien le houblon. Ça fait du bien, c'est ça. Oh, quel âge j'ai? Eh ben, les gars, santé, hein. 37 ans. Allez, j'espère que demain, on va... À la vôtre. Putain, on arrive enfin, mec. Je suis trop content parce que... C'est en fait, on est allé super vite. Genre, on a mis 2h30. J'arrive ici et je m'attendais pas du tout à ça, en fait. C'est un restaurant, le merdier. Il y a des gens, ils boivent des bières en terrasse. Alors, comme on en a un petit peu parlé, c'était intéressant, notre petite préparation, on a pas pris beaucoup de temps ce matin, mais je pense, moi j'aime bien qu'on prépare et qu'on prépare ensemble. Pour moi, la montagne, c'est pas moi devant et vous qui suivez, c'est on fait ensemble. Toi, tu as des applis de carto, certaines connaissances, certaines compétences et on est vraiment une cordée. Et puis la décision, c'est pas moi qui la prends, c'est ensemble qu'on la prend. Ce que je veux dire par là, c'est que pour l'instant, j'en sais rien. Ce que je pense qui est vraiment important, c'est qu'on soit d'accord sur la démarche, c'est qu'on est là pour se faire plaisir, on est là pour apprendre. Après, on est bien monté, on a mis 2h30 pour monter jusqu'ici. On est dans les temps, il n'y a pas de souci. Globalement, pour le Grand Paradis demain, par rapport à notre niveau aussi bien technique que physique, même s'il y en a qui découvrent qu'on n'a jamais marché avec des crampons, donc c'est vraiment une découverte, je pense qu'il n'y aurait pas de souci. C'est plus clairement, et ça, on a ciblé aussi ça ce matin sur la météo. Demain, il nous prévoit beaucoup de vent, donc eh ben, c'est ça qui va un petit peu nous guider. Mais voilà, mais cette histoire de démarche, de faire ensemble, et qu'on soit tous impliqués, et impliqués aussi bien techniquement, physiquement, sur nos motivations, c'est super important. Bon, bien, moi, j'ai pas à manger, voilà. Vous régalez ? Les lasagnes sont bonnes ? Bon appétit, Camillou. Et voilà, super. Ah, ça arrive. Merci. Pa, ça pète. Allez, là, on peut y aller. Là. Allez, hop, bon app, les gars, et soyez forts. Hein. Merci. Les lasagnes, elles m'ont donné chaud. Ah oui, mais là, j'ai l'impression qu'il fait plus chaud que tout à l'heure. On a reçu le plat. Mais là, mec, j'ai qu'une envie, c'est de dormir.
On a bien mangé, on a bien bu. Moi là, je suis épuisé. Physiquement, je suis épuisé. Je vais mettre une seconde à m'endormir. Ouais, le repas, trop cool. On a super bien mangé. Franchement, les Italiens, pour le coup, ils nous ont régalé. C'est vrai qu'on s'attendait, on avait lu 2-3 critiques qui disaient que le refuge, on mangeait pas à sa faim, etc. Donc, on avait prévu des barres, j'avoue, énergétiques en plus au cas où. On a vraiment pas eu besoin. On a vraiment bien mangé pour le coup. La première journée nous a mis un gros coup de fatigue quand même général, je dirais à tout le monde. On a quand même envoyé 800 mètres de dénivelé à peu près. Donc voilà, fatigué, mais bon, prêt pour demain. On se dit, il faut se reposer, optimiser le temps au plus possible. Donc là, le but, c'était d'aller se coucher rapidement. On va aller se coucher parce que demain, on a un sommet à aller chercher. C'est quand même important. Donc bon petit repos, on va être bien. Et niveau état d'esprit, à ce moment-là, on est quand même bien content d'être là. Ça s'est bien passé. J'en ai pas trop chié sur... la première journée, en espérant que demain ce soit à peu près pareil, même si c'est une autre paire de manches, parce qu'il y a l'altitude qui rentre en jeu. On fait quasiment le double de dénivelé et le tout de distance. Donc advienne que pourra, on verra demain, mais je suis très content et je pense que l'excitation prend le dessus sur la fatigue. Ok les loustiques, bon, on est dans nos chambres. Pas faire trop de bruit parce que les autres ils dorment à côté. On est dans une chambre de 4. Moi je suis avec Dylan et Hugo. Et Robin, il est avec le guide dans une autre chambre. Ouais, Sylvain. Dylan, il est là. Hugo, il est là. On est bien claqué et il est vraiment pas tard. Genre, il est 20h58. On va se coucher. Bah, c'est bon ? On va essayer, quoi. On va dormir, là. Oui, ça me dérange pas. aucun souci avec ça. C'était vraiment... En vrai, aujourd'hui, c'était dur, quand même. Petit débrief d'aujourd'hui. Mais en fait, c'est que je sais pas à quoi m'attendre demain. Ouais, bon, moi j'ai un peu peur. Je m'assois là. C'était bien. J'en ai chié parce que je crois que je le dis à un moment. La non-connaissance du matos. De la technique. De la technique ski de rando, tu vois. Ouais, ouais. Donc j'ai plus misé sur un peu la caisse générale. Ouais, ouais. Mais je sentais que je me fatiguais beaucoup plus vite que ce que je devais me fatiguer à la base. Oui, oui. Mais c'était cool. Ouais, moi je dis j'en ai chié un peu. Et demain c'est le double qu'il faut faire. Alors ouais. Ça fait un peu. Mais franchement, peur. Je suis arrivé, une fois arrivé, j'étais bien. Oui. Vois, j'étais pas oxy à dire j'en peux plus. Moi c'était les 200 derniers dénivelés. Mais j'ai peur d'avoir des crampes et tout, tu vois. Ouais, moi ça. Alors que j'ai bu, mec, c'est la première fois de ma vie qu'en rando, je bois autant. Moi j'ai pas trop bu pendant, mais là j'ai bien bu au repas. Moi j'ai bu un litre d'eau pendant. Ça va ? Un petit débrief de la journée, Robin ? Y a du vent. Ah ouais, putain, sa mère, c'est ça. Ça souffle, ouais. Et t'en as chié ? J'en ai... ça va, un peu à la fin, mais bon, comme tout le monde, quoi. Un peu chier, quoi. Il se cache, les skis font 2000 kilos. Qui me baise ma vie. Le vent apporte le froid consomme des calories et fatigue. Enfin, c'est QFD, fin de l'histoire. Voilà. Donc demain, on va faire c'est le pas max. Agréable. Et après, t'es au ronchon. Après, t'es pas content. Réveil. Qui c'est qui met un réveil là ? Moi, j'ai mis ma montre, 5h30. Ah, moi, j'ai rien. Tu me réveilles du coup ? Non. D'accord. Qui c'est qui me réveille ? Lui, il a mis sa montre, 5h30. D'ailleurs, je vais mettre un deuxième réveil. Moi, je vais attendre que Sylvain vienne me chercher. Il est fou. Gâté. Tu es fou ? Déjà, regarde cette position là. Quoi ? Tu me fais hyper rire. Pourquoi ? Parce que tu fais rire. Pourquoi ? Bon allez. Bah explique-moi. Bonne nuit. Et là ça me fait rire, on dirait un saucisson ou pote. Je suis trop bien. On dirait un verre de terre. Je suis trop bien. Il fait chaud ou pas ? Mec, je suis en caleçon. Moi je crois que je vais me mettre en calbar aussi. C'est de la part atomique. Je kiffe ma life. Robin, dealer. Dans 2 heures je caille, j'ai un espiroulé. Dis quoi ? Un espiroulé. Dealer, bonne nuit à la communauté. Au Colombier. Dealer, bonne nuit Robin. Ouais, c'est un mort là. Je peux plus bouger. Je peux plus. Du coup, dis-leur bonne nuit et à demain. Et bonne nuit à tous et on se voit demain matin à 5h30 pour le petit-déj. En forme. Cette nuit-là, j'ai réussi à m'endormir hyper rapidement. Je pense que j'étais vraiment mort de fatigue. Mais par contre, je pense qu'à partir de 3h du matin, je me suis réveillé toutes les heures. Genre vraiment mon corps, il savait que je devais me réveiller tôt. Du coup, il me mettait des petites alarmes, paf paf, toutes les heures. Et mon téléphone, en fait, il était sur le lit superposé d'en face de moi. Et j'avais pas mis de réveil. Donc c'est un stress en plus parce que je devais faire confiance à Hugo qui est en bas, qui est le mec le plus bordélique de tout le monde. Et c'était lui qui avait la responsabilité de tous nous réveiller. On devait se réveiller à 6h du mat et à 5h50, j'ai pas réussi à résister. Je me suis réveillé pour une millième fois. Et là, j'ai voulu regarder l'heure et j'ai vu qu'il était 5h50 et j'ai fait « C'est bon, on se lève dans 10 minutes, j'ai le temps, je vais pas me rendormir, j'ai les yeux, ils sont comme ça ». J'ai qu'une envie, c'est de me lever, de m'habiller, de me barrer. La nuit,
C'est quelque chose, bon, c'est une nuit en refuge, hein. On n'est pas dans un 5 étoiles non plus. Mais je suis tombé avec deux tronçonneuses dans ma chambre, donc je me suis réveillé dans ça de sciure. Bon d'accord, j'ai quand même bien dormi du coup. Non, sans rigoler, les ronflements, mais ça n'a pas été vraiment le pire. J'avais pas mis les boules caisses, c'est ma faute, mais c'est surtout, on a eu énormément de vent. Ça fait un bruit monstre, c'est surtout ça qui a empêché de dormir, peut-être un peu l'altitude, sûrement l'excitation. C'est une petite nuit, on en a connu d'autres. En tout cas, ça n'entame pas la motivation, et là on est prêt, là on est parti, et on va aller chercher ce sommet. Du moment que j'ai mis mes boules caisses, je me suis endormi. C'était incroyable, j'ai dormi je pense jusqu'à 2-3 heures, et après je me suis réveillé toutes les heures. J'ai dû enlever les boules caisses, elles me faisaient mal aux oreilles, mais je me suis reposé, et en fin de nuit, j'ai commencé à vouloir bouger mes jambes pour les ressentir, pour voir mes courbatures, où c'en était. Et là, je me suis rendu compte que mes adducteurs, ils étaient toujours aussi à vif qu'en arrivant au refuge. Et j'ai pris conscience que ça allait être dur. Alors, je me suis forcé à dormir pour prendre le plus de force possible et me régaler, quoi. J'ai eu beaucoup de mal à dormir, du mal à trouver le sommeil. Le fait qu'il y ait déjà pas de volets dans les fenêtres, dans les chambres, ça, c'était vraiment... Il faisait jour. Il faisait comme en plein jour toute la nuit. Donc ça, pas top. Bon, après, bref, l'altitude aussi, ça m'a peut-être mis un petit coup pour dormir aussi, pas évident. Je me suis basé sur Sylvain pour le réveil. Ça, c'est vrai, j'ai pas mis de réveil. Je me suis basé sur Sylvain et Sylvain a oublié d'en mettre un. Du coup, on s'est réveillé un peu en retard. Donc ça, c'était la petite blague du matin. J'entendais les copains à côté en train de s'habiller et moi, j'étais toujours dans mon lit. Donc je me disais, bon, peut-être, faudra peut-être se lever. Je regarde l'heure, effectivement, on était en retard. Donc là, ben, vite, on se prépare et là, on va petit déjeuner avec les copains. Quoi. Hop, hop, hop. Il est 5h46, il faut se lever là. 46, ta soeur, il est 37. Il est 37. Hop hop hop, Hugo, il faut se lever. Bon là, c'est le matin. 5h50. Avec une nuit où il y avait un vent, mon ami. J'ai cru que le refuge, il avait changé de place. Bien sûr, j'avais pas mis les boules caisses. Voilà, ça va être bien. Passez une bonne journée. Allez, on va aller déjeuner. Pom pom pom, on est reçus comme des petits rois là. Oh là là, j'ai faim. Il se sert, mec. Ok, ben moi aussi. Ok, ben moi aussi. Ça va être l'un des meilleurs moments de ma journée. Parce que je suis en train de becter, il fait bon, j'adore le petit-déj. Et franchement, ça va. Dans un refuge, je m'attendais genre à bouche. Enfin, je savais pas à quoi m'attendre finalement. Et là, je suis content parce que c'est petit-déj hôtel. Vraiment top, quoi. Franchement, le petit-déj, trop content. Parce que j'arrive, et là, je vois quoi ? Du Nutella. Alors ça, c'est la plus belle chose qu'on pouvait me faire aujourd'hui. C'était de m'offrir du Nut à 6h du matin. Donc j'ai mangé du Nutella, du lait chaud, incroyable, avec du pain. Mais là, le guide, il vient nous voir, il nous dit, les gars, ça vous chauffe ? On accélère aujourd'hui ? On va pas accélérer, Dylan ? Non, ben non. J'ai plus mes adducteurs, j'ai des essais en main, moi. Ok Bruno, ça va être dur. Je crois que c'est la première fois qu'on met les chaussures aussitôt. Hein. Et oui monsieur. Et oui. Pique, hein. Magnifique ça. 6h30 du matin, donc on s'habille, on se met les chaussures, on récupère les pots, les skis, les bâtons, etc. On s'habille, personne ne se parle, vraiment silence mort, silence radio. Donc là on avait compris que tout le monde avait un peu mal dormi cette nuit. On est en train de tous se préparer, chacun de notre côté. Dylan il est dans la pièce où on enlève les chaussures. Moi je me suis mis plus à l'écart, genre vraiment dans le couloir. Et en gros il faut mettre les chaussures, mettre les pots sur les skis. C'est un moment hyper bizarre. En fait, on dirait qu'on est dans une sphère, dans une grosse bulle. On ne sait pas ce qu'il y a dehors. Personne n'est sorti encore. Moi, je m'attends qu'il fasse super froid. Je sais qu'il a neigé toute la nuit parce qu'il y avait du vent. Et puis, quand on s'est levé, toute ma fenêtre, la seule fenêtre qu'on avait qui était grande comme ça, elle était remplie de neige. Du coup, le stress, il commence un petit peu à monter. Mais on essaie quand même de gérer ça tranquille. Mais il y a une ambiance un peu pesante quand même. Mais bon, on s'est dit, ça y est, c'est aujourd'hui, c'est là maintenant qu'il faut jouer, quoi. C'est là que tout se joue. Donc là, on sort, on prend les skis. Et là, on ouvre la porte. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit 10 cm de neige, quoi. On voit 10 cm de neige fraîche. Cette nuit, il avait un peu neigé, il avait annoncé. Donc, d'un côté, bonne nouvelle. Parce qu'on s'est dit, ça va être sympa si après la descente à ski pourra être plus cool. Mais c'est qu'il a neigé là, non ? Ouais, il est tombé bien. Ça a bien neigé là, Hugo, là, non ? Alors ? Alors ? Alors, les lunettes ? Putain, on les voit pas trop, les lunettes, attends. Hop là ! Bon, ben j'espère qu'il va faire beau, hein. On y croivait, bâton. On y croivait. Bon là, j'arrive sur la terrasse, et
j'ai fait l'erreur de pas mettre mes gants. Genre, j'ai que mes sous-gants et je prends une claque d'entrée de jeu. Le vent me gifle. J'ai les mains qui gèlent instantanément. Instant, je sens plus mes wads. On vient de sortir du refuge. Quoi. J'ai mis une minute à prendre conscience que j'allais souffrir all the day. Bon, les skis sont au pied, mon gars. Eh oui, monsieur. On est paré au combat. On va faire le check des DVA et après, c'est in a road again to the summit. J2. J'ai 10 cm de neige dans la nuit. Le petit check DVA là, pour les 5. Et une fois le check, c'est parti. Avec cette bande de joyeux lurons. Bon, ben voilà, c'est parti. Voilà, vous avez vu les conditions, hein, où je n'ai pas besoin de remettre un pouce dessus. C'est encore bien un peu nuageux en haut, il y a surtout beaucoup de vent sur les crêtes. Donc ce que je disais un petit peu par rapport aux petites fennes, écoutez-vous bien par rapport au froid et tout, et on essaye de communiquer parce que c'est pas facile avec le vent. Hein. On a vite fait de se geler un petit peu, là je pense qu'en haut ça va être un peu le combat. Du coup, on s'écoute et on se regarde les uns les autres, empathique. Ok. Ça marche ? Et je vais mettre des gants alors. Tiens. On va se régaler. Voilà, on a les couteaux, ben, ceux qui les ont pas très loin, prêts à bondir. Allez, ça. Allez, tu touches pas. En diable. En diable, les copains. Allez, go, 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 go. On doit monter cette montagne là. Différent. Dès le matin, partir, on a de suite un coup de cul au bout de... On a eu 100 mètres de plat et de suite un bon gros coup de cul. Ben, on adapte un peu la même stratégie que quand on a fait le Mont Buet. C'est on verrouille, on monte et on réfléchira en haut. C'est à peu près comme ça là, que je fonctionne dans les moments durs. Et la stratégie s'avère pour le moment assez payante. On souffle bien parce que c'est le matin et le manque d'oxygène se fait un peu sentir. Là, en vrai, je souffre. C'est le début de la journée. Genre, ça fait une heure qu'on est là. J'ai déjà plus de jambes. J'ai mes adducteurs en feu. Et ça me brûle. C'est pas marrant, quoi. Par contre, là, ça commence. Le temps se lève. Genre, je sais que je viens de faire un truc intense. Ça montait droit. C'est surtout qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait de conversion. On n'a rien fait. On a fait que monter dans de la pente. Donc, bref, on arrive sur du un peu moins pentu. Et là, je sens que j'évolue plus simplement. Le vent a arrêté de me gifler. Je me sens un peu mieux, quoi. Et là, il y a Camillo qui me rattrape. Ça va, Didou ? Là, j'ai les adducteurs en feu, mec. Ah oui ? Vas-y, je t'attends, mec. Je passe derrière. On ferme la marche. On avance un peu, on va faire la pause après. J'ai plus de jambes, moi. Enfin, j'ai plus d'adducteurs. Je pense qu'ils sont en train de saigner à l'intérieur. Sinon, à part ça, c'est trop bon. Il y a les copains qui font la pause, là. Le vent s'est adouci, mais on voit pas du tout le sommet. Là, on a fait genre 300 mètres de dénivelé. Il nous en reste 1100. Et je pense qu'on va en faire 800 dans le brouillard et le vent, quoi. C'est dur. Il y en a plein des sommets, mais c'est vrai que les beaux sommets que tu vas faire un jour, à un moment précis, déjà, c'est une histoire de sommet, mais c'est quand même beaucoup une histoire de partage et d'humain avec les gens avec qui tu vas, que ce soit des clients ou des copains ou ma femme ou n'importe quoi. Arriver à 6000 mètres dans les Andes sur un sommet qui était juste du trekking, y a un côté magique. Comme partager quelque chose de beaucoup plus facile avec des clients en découverte. Donc j'aurais du mal à te sortir vraiment quelque chose d'hyper emblématique, sommet merveilleux, magique, qui m'a marqué toute ma carrière. Pas aller partout dans le monde, mais j'ai découvert pas mal d'endroits montagneux. Sortir au sommet d'El Capitan dans le parc de Yosemite avec deux copains après avoir passé deux jours complets pendus sur nos cordes. Il y a un côté magique, mais il y en a plein. Et ça peut être la même chose que de faire découvrir un petit sommet facile à deux gamins qui ont la banane parce que pour la première fois de leur vie, ils se sont retrouvés pendus au bout d'une corde, quoi. Donc, c'est difficile de te sortir un sommet qui m'a marqué plus que ça, c'est vraiment un échange sur tout au long de ma carrière. Quoi. Alors, comment ça se passe là ? Très bien. Très bien ? Très très bien. Nous, c'est un peu jaune dur. Constant. Ouais. Ouais, voilà. C'est ça. Jaune ? Ouais, jaune constant. Ok. Mieux. Toi, Didou, un peu plus dur ou pas ? Moi, je suis dans l'orange.
Ok. Je sens plus mes adducteurs. On va manger un pain au lait et paf paf. Non mais ça fera rien là. Mais pour... ça c'est la douleur, le muscle. Waouh waouh waouh. Il faut qu'on aille là-haut là. Oh oui, là-haut, l'arête, après on continue l'arête et le sommet est tout à gauche. Là c'est le moment où on va s'en mettre une. Ah ouais, c'est ce qu'il a dit. Ou c'est ce que t'as vu, tu te souviens? Non, moi, c'est ce qu'il faut faire sur la carte. De toute façon là il reste à peu près 1000-1200 mètres dénivelé. Ouais. Right. Il reste 1000. Là ça grimpe les gars. Ça commence à tirer là. Je sais pas si on est bien au-dessus de 3000 ou pas, mais ça tire là. Fais moins 8000. Les copains ils sont derrière, ils me poussent là, ils sont trop cool. Et devant, ça souffle. Tout à l'heure elles ont gelé, je voyais plus rien. On n'a pas fait la moitié, putain. C'est chaud. On est en train de faire des Z dans une grosse combe. Du coup on était vraiment à l'abri du vent. Et dès qu'on sortait un peu le nez de cette combe, on se faisait défoncer par le vent. Donc là on commence un peu à temporiser. Avec Dylan on commence à discuter en mode ouais c'est chaud, t'as vu le vent qu'il y a et tout, j'espère qu'il n'y aura pas ça en haut. Et au fur et à mesure où on avance, on sort de cette combe et là le vent il nous défonce. Le guide décide de s'arrêter en plein vent et il nous dit les gars, habillez-vous chaudement parce que à partir de maintenant on va se les geler. Donc là on met nos habits de la guerre, ça veut dire qu'on enlève le Gore-Tex. Quand j'enlève le Gore-Tex, j'arrive pas à le tenir. Je suis comme ça, je me remplis de neige en 2-2 parce que les 10 cm qu'il a neigé cette nuit avec le vent, ça nous défonce. Mon sac, il était rempli de neige, tout mon dos rempli de neige. Donc mets le Gore-Tex entre tes jambes, sors la doudoune, déplie la doudoune, mets la doudoune comme tu peux, remets le Gore-Tex. Une fois que ça c'est fait, on est un peu sauvé. Sors les lunettes de ski parce que les lunettes qu'on avait, les lunettes glacier, avec la buée qu'on faisait, ça gelait, donc on voyait vraiment plus rien. Les lunettes de ski, plus toutes les capuches, plus toutes les couches. Là, je commence vraiment à me sentir bien. Ok, on a mis les affaires chaudes. Donc là, le guide Sylvain nous dit « Habillez-vous, c'est le moment où ça va commencer à devenir froid. » Alors moi, j'ai pas écouté, j'ai pas mis la doudoune, j'ai gardé mon Gore-Tex parce qu'en fait, j'avais le sentiment que voilà, j'étais chaud. Donc mon but, c'était de garder l'effort pour pas avoir froid. Et le but, c'était pour moi, c'était pas de mettre la doudoune parce que je me suis dit « Si je mets la doudoune et que je fais l'effort, là, je vais transpirer. » Du coup, moi, je les ai un peu regardés s'habiller. Je suis parti avec mon Gore-Tex. Là, on est monté. On a attaqué une montée plein vent de face. Vraiment, la glace, la pure glace, très froid. Moi, je ferme la marche, c'est-à-dire que je suis derrière Dylan et on a plein de conversions à faire dans des sols vraiment vert glacé et c'est de plus en plus raide. On n'a pas les couteaux au ski, du coup, on glisse assez souvent. Et Dylan, il n'avait pas mis ses lunettes de ski, il avait laissé les lunettes glacier. Et à un moment donné, il me regarde, il me fait « Ah, j'en peux plus, il faut vraiment que je mette les lunettes. » Donc je décide, en milieu de pente, de changer mes affaires. Donc changer mon masque. Donc j'enlève mon sac, il y a mon frangin derrière. Le temps de mettre le masque gèle instantanément. Donc ce moment-là, pour moi, il se passe dans le brouillard. Et là, au moment où il enlève son sac, son ski, il glisse, il tombe à genoux par terre dans la pente. Du coup, moi, je le retiens comme je peux, mais c'est pas ça, quoi. Vraiment, je sers à rien à ce moment-là. Peut-être psychologiquement, je suis là. Là, on se régale pas, là. Là, c'est dur. Donc, j'ai décalé mes skis. Enfin, bref, je me galère à me lever. J'arrive à me lever. On se retrouve sur un petit plat juste après. Et là, je m'aperçois que le guidos, il est sur un rocher, en train de faire des mouvements pour réchauffer les membres que moi aussi, ils sont gelés. Donc, ses pieds et ses mains. Compliqué dans un vent, je pense qu'il doit avoisiner à peu près les 90 km/h. Donc, ça, plus la température, il fait vraiment, vraiment froid. Là, on attend les autres sur un rocher et c'est compliqué. Le froid s'installe d'être inactif comme ça. La fatigue commence à se faire sentir. C'est un moment un peu compliqué, mais ça va aller. Donc, on attend les copains et j'espère que tout le monde va bien derrière. Trace de neige était déjà faite. Elles étaient bien dures, bien croûtées.
Moi, je loupe un peu ma conversion, un peu dans la précipitation, manière de vouloir tourner assez vite. Et je me loupe, je glisse. Donc là, je tombe, je glisse un peu, je m'arrête avec mon bâton. Belle galère quand même pour se remettre droit, parce qu'avec ce vent de face, c'était vraiment qui balayait en fait la neige fraîche sur nous. C'était vraiment handicapant. Et là, je vois Robin en galère sur la dernière conversion. Il est à genoux par terre. Donc je me dis, oula, il est tombé. Donc je commence vraiment à me chier dessus. Après quelques petites minutes, je réussis à me relever. Je rejoins les collègues, donc je rejoins Hugo, je rejoins Sylvain, qui m'attendait un peu plus loin. Camille et Dylan étaient derrière moi. À ce moment-là, moi, j'étais au milieu du groupe, à peu près. Le vent gelé sur nous, jusqu'à que Sylvain me montre du doigt mon nez. Il me dit, fais gaffe, t'as le nez qui est en train de geler. J'avais toute une auréole, là, blanche, en fait, qui était en train de se former sur mon nez. Donc là, vite, on monte le couvre-cou ici. On se chauffe comme on peut. Enfin, là, on était vraiment en mode survie, quoi. Mais ouais, là, c'était... C'était hard. Et là, c'est la partie de la rando qui est la plus dure pour moi. Et je vois que Dylan, il arrive à faire cette conversion. Il rejoint les autres. Et moi, cette conversion, je me mets la pression. Je me dis, putain, il faut pas que je tombe. Au moment où je m'appuie sur mon pied d'appui, ouah, tout part. Du coup, je me retrouve... Je suis tenu que par mes bâtons. En gros, j'ai un ski, le quart de ski qui est bloqué sur le bâton. Du coup, il fait que glisser. Et j'arrive pas à rattraper du grip pour me remettre debout. Et je déchausse. Le pire, c'est ça. Je déchausse un pied. À l'avant des fixations, on a deux crochets qui rentrent dans les chaussures de ski. Et il y en a un des deux qui s'est barré. Donc là, je suis accroupi. Je suis obligé de défaire les deux et de remettre le ski, d'appuyer comme un fou pour que ça reclipse sans que je sois debout. Au final, j'y arrive. Je me remets debout. Je les regarde, mais je suis toujours à l'envers. J'ai pas fait ma conversion, je me suis remis dans l'état où j'étais de base. Pas bien. Donc j'ai réessayé tant bien que mal à faire ma conversion, j'y arrive. Et là, au moment où je me retourne, je vois tout le monde. Et là, je vois Hugo par terre, anéanti. Robin, qui est juste en Gore-Tex, il a même pas sa doudoune, il a encore ses lunettes de glacier. Et le guide nous dit, bon les gars, qu'est-ce qu'on fait ? Il nous dit que plus haut, ça va être de pire en pire en fait. Le vent, on va en avoir de plus en plus. Et du coup, le froid va être de plus en plus glaçant. Je vois qu'Hugo, il est vraiment pas bien. Dylan, du coup... Il se met un peu la pression, tu vois qu'il est pas bien non plus. Robin, ça parle plus, toutes les caméras sont éteintes. J'arrive même plus à les allumer, elles ont gelé. Et le guide nous dit ces phrases-là. Les gars, il faut garder une notion de plaisir. Et là, quand il dit ça, Hugo et Dylan nous disent « Ben là, il y a vraiment plus de plaisir, donc on descend. » Donc là, tout le monde est d'accord, on décide de faire demi-tour. Parfois, il faut savoir renoncer, ça fait partie du jeu. Mais là, on est tous en mode survie et il faut enlever les peaux. Et les peaux... Tu les enlèves, elles s'envolent. Le guide nous dit, les gars, vous pliez les peaux comme vous pouvez, vous les mettez dans les Gore-Tex. Les skis, vu que c'est des skis de rando, ils sont tellement légers que si tu le mets là, il fait la feuille. C'est une feuille, en fait, notre ski. Donc, remets les skis par terre. Remets les fixations. Remets les chaussures en mode de ski. Parce que là, on était en mode marche. J'étais vraiment pas bien du tout. Comme on l'a dit, on est là pour se faire plaisir. Là, c'était plus un plaisir pour personne. Il faisait super froid. Le temps de remettre une capuche, j'enlève mes gants. Je me retrouve à plus pouvoir mettre mon gant parce que j'ai la main qui a gelé quasiment instantanément avec les doigts pliés. Très compliqué de remettre le gant. Décision est prise de faire demi-tour, ce qui veut dire repasser les skis en mode ski et plus ski de rando, ce qui n'était pas une mince affaire quand c'est la première fois qu'on le fait, et dans ce vent avec les doigts gelés, tout ça. On perd un peu de temps. Là, le capital confiance en prend quand même un coup. On entame la descente là avec un peu d'appréhension au bout des jambes quand même. Et on n'avait qu'une seule chose en tête, c'était sortir de ce vent. Donc les 200 mètres qu'on a fait, il fallait pas se la coller, mais mentalement, tout le monde savait qu'on n'allait pas tomber. Et une fois qu'on arrive à ces 200 mètres plus bas, qu'on avait moins de vent, là on a pu souffler et là on a pu tous se regarder et se dire, les gars, ça va ? Ok, bon, on a décidé de redescendre. Il y avait trop de vent, trop dangereux. C'était vraiment dur, tout le monde a chopé l'onglet. Didou et Robin, ils avaient le nez gelé. Donc on a chaussé les skis, on a enlevé les peaux et on redescend. Et maintenant ça trace, hein. C'est ça ? C'est ça. Ça va Hugo ? Ça va. Bon, on est pas le sommet aujourd'hui, hein ? Faut savoir dire non des fois, hein ? Allez, on fait une petite conclusion un peu plus bas, on essaye de descendre, je vais mettre ça sur ma tête. Allez, gaz ! Non, pas trop vite.
arriva, à peu près 25 mètres de descente et hop, petite cabriole, mais pas de bobo, tout va bien. Faut se remettre en confiance, les jambes qui chauffent assez vite. Bon, jusqu'au refuge, la descente, au final, elle est pas si mauvaise que ça. Vu qu'hier, il a neigé 10 cm, on alterne entre de la bonne neige fraîche, souple, et de la neige toute dure, parce que du coup, il y a du vent, donc ça te fait des grosses plaques de verglas que tu vois presque pas. Donc il faut rester un peu souple sur les appuis. Hein. Les genoux, faire gaffe. Rarement, les meilleures neiges, c'est en moyenne montagne. Hein. Ouais. En haute montagne, c'est souvent ravagé par le vent. On est souvent... dans des neiges changeantes comme ça. Ouais, un peu moins 20 et moins 30 en ressenti en haut. Ouais, ouais, pas marrant, ouais. On a eu quand même eu une fois cet hiver. D'accord, c'est pas de trace blanche. C'était là. Il a fallu attendre le dernier jour. Ok, c'était tout blanc, en fait. Ouais, ouais, imagine aussi. Là, si je devais donner mon ressenti tout de suite sur le moment actuel là où on est, vraiment, je me dis, putain, c'est les cas, il avait fait vraiment moins 30, moins 35. Ouais, Robin, moins 30. Un bon gros moins 30, mais. Avec un ressenti immonde, vraiment. Le vent, le froid, on a tous les interstices de la peau qui prennent tarif. Faut pas oublier que c'est la montagne qui décide et pas nous. On aura d'autres occasions. Ça sert à rien de se mettre en danger. Objectif, on retourne au refuge et au refuge, on avise de la suite de la journée. On est bien là. Ah, bon, là, j'ai récupéré du power là. Là, j'ai récupéré du power et du mental là. En haut, j'avais envie juste de pleurer, voilà. De me mettre dans un coin de pleurer. Enfin sur cette terrasse. Je pense qu'à l'intérieur on va être bien. On se réchauffe un coup là, on boit un petit coup. Allez. Et on voit ce qu'on fait. Et on voit ce qu'on fait. Allez, okay, on fait ça. Pop, 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 pop. Quand je commence à les gars, j'ai les pieds gelés. Oui, oui. Moi, quand j'ai vu Sylvain mettre les lunettes de ski, la doudoune, et nous dire, les gars, c'est comme vous voulez, mais là, il va y avoir du vent. Là, j'ai compris qu'on allait en enfer. Ah ouais, c'est un peu picotement. Ouais, moi aussi, t'as rejoint gentiment. On s'est arrêté quand même un petit moment, en haut, le temps de prendre la décision de tourner. C'est le moment où j'ai pas froid, j'ai dit, bon, on va s'activer, sinon je vais avoir froid. Et là, je le sens maintenant. Cette montée rapide. Là, j'ai ma motivation, elle est dans les chaussettes, là. Et dans la chaussette, c'est gelé, elle est encore dessous. Là où il y a un peu de chaleur, c'est que j'ai froid. Et on va remettre les pots. Parce qu'on fait le tour pour pouvoir faire plus de ski. Mais j'ai envie de mourir, rien de savoir ça. Tu sais que j'ai froid. C'est maintenant 300 mètres de l'eau, c'est non. C'est non, il a dit. Arrivé au refuge, voilà, la seule envie c'était de se réchauffer. Première chose que j'ai faite quand je suis rentré, je crois que je suis allé au poêle. Il y avait un poêle qui brûlait. Je crois que la première chose que j'ai faite, c'est mettre mes mains dessus, mes pieds dessus, pour se réchauffer, parce que là on avait vraiment perdu des degrés. Donc bon, on a eu un peu la, c'est sûr, hein, tout le monde a eu un peu la déception de forcément de devoir redescendre. Notre seule petite fierté, enfin notre seule, je dirais pas ça, mais notre petite fierté quand même, c'est qu'on a vu pas mal de guides et pas mal de personnes descendre avant nous. Donc nous, notre petite fierté, je dirais, c'est d'avoir fait peut-être ces 100 ou 200 mètres de plus qu'eux. Donc ça, non, ça, on en garde quand même un bon souvenir. Là, forcément, sur le coup, on peut pas parler de réussite ou quoi, parce que là, tout le monde a le moral vraiment, vraiment au plus bas, ce que je comprends, normal, même moi le premier. J'étais venu là pour monter en haut. Là, le fait de pas pouvoir monter en haut, c'est quand même un frein. Ouais, là, le ressenti est pas cool. On a presque envie de rentrer, quoi, sur le coup. On se dit, bon, ben voilà, on n'a pas réussi, on rentre, c'est pas grave, peut-être une prochaine fois. J'ai eu une légère déception sur le rocher. Je suis trop heureux d'être arrivé dans ce refuge, de réchauffer mes yeps. Ça m'a fait super mal, mais je suis content. Si je pouvais boire 10 chocolats chauds, je les boirais. Et c'est juste que j'ai pas la monnaie. Petit truc cool qu'on apprend au refuge, c'est qu'il y a une variante qui est possible à la descente pour éviter de se faire du coup cette descente à pied dans la forêt comme on s'est fait le premier jour. Il y a une variante à faire, donc rechausser les skis, faire encore de la rando, faire, je crois qu'il y avait entre 2 et 300 mètres de dénivelé à faire, pour en fait passer de l'autre côté de la vallée et pouvoir descendre en fait toute la vallée à ski et après rejoindre la voiture directement à ski. Donc là, bon, forcément, nous, on n'avait pas trop envie de faire d'efforts. Il faut bien booster petit Camillou qui avait le moral dans les chaussettes, mais ça arrive, voilà, c'est comme ça. Il y a des hauts et des bas pour tout le monde. On va essayer de motiver Camillou. C'est une bonne expérience. Un peu déçu, on n'a pas pu faire le sommet, mais bon, voilà, c'est comme ça.
Donc autant profiter du temps qui nous reste de la journée, voire faire cette petite montée supplémentaire et profiter d'une belle descente derrière. Et là, il nous dit on va faire 300 mètres de dénivelé. Je suis plus heureux du monde. Genre, je sais que mes adducteurs, ils chauffent, mais je sais que c'est les 300 derniers et que je vais les faire dans des bonnes conditions. Bon, du coup, on a décidé de repartir. On est un peu devant. On a un peu de ski où ça descend, entre guillemets. Donc on en profite et ensuite on met les pots et on remonte. Hein. Pendant qu'on met les pots là, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer. J'ai le moral, il est à zéro. Et en plus, c'est moi qui les ai amenés là-bas, donc c'est moi qui ai la responsabilité de tous ces types qui sont pas arrivés jusqu'au sommet. Du coup, j'ai encore plus le moral dans les chaussettes. Donc là, les 300 mètres qu'il nous reste à faire de dénivelé, là, j'ai pas envie de les faire. Mais bon, on y va quand même. Hein, ça met les peaux. Ouais, monsieur. On est content, il fait pas chaud, hein. On est bien là, quand même. On est pas mal, là. On est mieux que tout à l'heure, hein. C'est vrai qu'on est un peu mieux que tout à l'heure, quand même. Je suis au gros du roi. Bon, peut-être pas au gros du roi, mais... Il faut que tu leur dises combien de dénivelé on a à faire. Comme, ça, si on... Comme ça, si on en fait plus. Ah ouais, mais c'est pas contractuel. Si on en fait plus, c'est... je sais pas moi. Combien on va en faire? 200, 250? Ouais, moins de 300. Ouais, moins de 300. Nous on y croit, moins de 300. À 302, j'arrête, je chausse les skis, je descends. Ça s'appelle comment là où on va? Ça s'appelle pas. Ça on va descendre pas la combe du Grand Étret. Voilà. Étret. La combe et du Grand Étret. L'endroit où on marche, ça s'appelle pas. C'est en direction de la combe du Grand Étret. Okay. On va un peu inventer là. En fait, on connaît pas. À monter, c'est toujours aussi dur, mais apparemment il y a moins de dénivelé là cette fois. Il y a le guide derrière Hugo et derrière moi, il doit y avoir Dylan et Robin tout au fond là-bas. Là, ils se préparent mentalement pour remonter, je pense. Je crois qu'on a arrêté entre les deux gros rochers qu'il y a au fond là-bas. Ouais, c'est ça. Dylan, il essaye de me motiver comme il peut, mais bon, force à lui parce que je sais pas comment il va y arriver là. J'espère qu'on est bientôt arrivé en tout cas. La fin, c'est un calvaire, pourtant ça monte pas trop. Comme quoi, le mental dans le groupe, c'est vraiment important. Là, on arrive on voit que c'est les deux dernières conversions. On monte et là, on arrive sur une espèce de crête, on va dire, qui longe et qui va tout au bout, du coup, en bas d'une petite montagne. Donc là, ce qui est sympa, je dois reconnaître, c'est que le point de vue était vraiment cool. On avait une superbe vision sur le Mont Paradis sur le côté. Sur la gauche, en face de nous, il y avait une superbe montagne aussi, super jolie. Sur la droite, on avait toute la vallée. Donc vraiment sympa. Le spot était vraiment cool. Par contre, vraiment, on n'en pouvait plus, quoi. Enfin, moi, personnellement, je sais que j'avais qu'une envie, c'était que ça s'arrête. C'est bon, on est arrivé à quelque part. Maintenant, on mange une barre. Et après, on a enlevé les pots. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va descendre un peu. Mais apparemment, on va remonter 2-3 fois. Est-ce qu'on a fait moins de 300 mètres de dénivelé? Je sais pas, mais en tout cas, on est nul parce qu'à 200 mètres, on avait fait 2000. Voilà, allez, je vous dis ça, c'est fait l'histoire. Ah, mais on peut encore, hein. Tout n'est pas perdu, hein. Eh bien, écoute-moi, Diego, tu vas y aller tout seul. Tu vas monter là-bas, plus loin. Puis moi, je te regarde de là. Allez. Enfin on descend, comment ça fait du bien, je revis. Même si on doit encore monter des petits mamelons des fois, ça fait quand même plaisir. Mec, c'était à sa casse, il a raison. On sauverait au pire si je t'en mange une avalanche. Je pense que je vais mettre une boîte de l'espace. Mec, il a fait 3 virages, il est ressorti si vite là-bas. C'est où là? Là où il est là-bas. Allez hein. Chacun son tour, hein. Allez-y. Hein. Allez Hugo, on te regarde, comme ça on est plusieurs à te ramasser. Allez, t'es capoté là. Hein. Je vais pas rester là toute ma vie. Allez Hugo. Allez Didou.
bisous à toi. En fait, c'est plus la corniche qui part. Hein. Allez, mon gars. Et alors, ça fait quoi là? C'était bon ça. Waouh. C'est incroyable là où on est les gars. Il y a eu un petit passage compliqué pour moi. Il y a eu une pente assez sévère avec une petite congère en crête. Je l'ai pas trop senti, mais bon, bien motivé par les copains et c'est cool. Allez Hugo, on te regarde, comme ça on est plusieurs à te ramasser. Allez, t'es capté hein. Je vais pas rester à toute ma vie. On s'est lancé dedans, c'est passé au final ultra bien, avec des bonnes sensations. Donc là aussi, c'est assez important de partir avec des gens en qui on a confiance et qui arrivent à trop booster dans les moments où ça va pas. Nouvelle pente à faire maintenant, pas trop envie. Je vois des plaques de glace à droite, à gauche. La fatigue qui commence à se faire sentir sur les cuisses et je me dis que si je dois faire un virage sur la glace, je suis pas sûr de le tenir. Donc mes yeux se portent sur un petit échappatoire sur la gauche qui me paraît très accueillant et je décide d'aller voir s'il est aussi beau qu'accueillant. On aura moins de vent dans la... Allez go ! On peut suivre là ou toujours un par un ? Ok, toujours un par un alors. Hein. Elle part là. Hein. Qui s'en bat les couilles ? C'est ce qui s'appelle s'en battre les couilles. Allez, calme. Non, mais non. Allez, Hugal, tu vas où? Je vais être un futur. Oh non, il se chie. Allez, vas-y, je te suis. Allez, vas-y, Robin. Vas-y, Robin. Attends, je peux pas y aller. C'est bon, il est bien à gauche. Allez, feu, mon gars. De toute façon, je vais fermer. Colle-le, tout de suite. Colle-le. Je dis je vais me la coller. Non, ça a tenu. Non, ça a tenu. Par contre, c'est à vous que le coin sympa, malgré le froid qui faisait de canard qu'on avait en haut, c'est vrai qu'on avait trouvé 2-3 couloirs, 2-3 petits coins avec la neige fraîche qui était tombée la nuit. Et là, pour le coup, on a pu faire 2-3 virages quand même vraiment sympa. Ouais, mec, dans une demi-heure, on est au bus là. Ouais. Facile. J'avais compté 20 minutes, mais si tu veux, on met une demi-heure. Non, allez, mais ouais. Je vous laisse aller dedans, je ferme la marche. Ok. Fais le passage. Ça va? Allez, ah, belle celle-là! Ça va, mec? Bon, attends, Robin! Et là, il y a blessure, là! Je vais voir s'il y a blessure. Tout va bien? It's ok? Oui, ça va. Ok. Bon, bonne descente. Allez! Moi,
Moi, j'ai pris 3 minutes de plaisir dans la descente. Genre, on a fait 3 bonnes descentes de 20 secondes où c'était un peu raide et bonne poudre. On est sur de la neige de printemps assez agréable à skier. Puis, au fur et à mesure, on s'engage dans un vallon et la neige, c'est de plus en plus de la bouillasse. Après, c'est du béton, de la bouillasse, du béton, enfin bref. Et là, on arrive dans le fond de la vallée. Je vois au loin le van et je me dis, frérot, c'est terminé, tu vas pouvoir retrouver tes baskets. On voit le van au bout là-bas. Fin de descente compliquée. Voilà, la fatigue commence à se faire sentir. Ça fait, on est parti quand même depuis hier, on s'est quand même mis pas mal de dénive. Je crois qu'on en est à peu près à 25 bornes en tout. Et on va tous se rejoindre au van pour pouvoir débriefer de ces deux belles journées-là. Oh là là, qu'est-ce que c'était difficile, ce retour interminable. Eh ben, bon, on est mais vite le compte. On est quand même arrivé. Hein, ah mais on n'avait pas de doute là-dessus. On a quand même fait le job, même si... Bravo. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés là-dedans. Hein. Pourquoi c'est ta gueule, doute. Ça se dit chalap. On est... Ou alors est-ce que chalap, on n'est pas arrivé au sommet, mais... Ouais. Mais on s'est donné. Hein. C'est donné. Il a qu'une envie, c'est de mourir. C'est bon, j'ai pissé. On a fait, mec. Faites bon. Fier. Mec, tu peux être très fier de toi. On a fait un gros truc déjà. On a fait un gros truc, on s'est mis dans les congis. Et puis la prochaine fois, on espère blanc. Qu'on aura le temps avec nous, quoi. Ah ouais. Parce que là, on l'avait pas du tout. Il manquait que ça. Oui. 13h34. Ouais. En tout, on a fait 23 km. Et 730 mètres pour 7h41. Ouais, voilà, c'est ça. Là. Bon, c'était ok. Ok. Je vous referai un débrief quand ça sera sur le téléphone. Quand on sera à la Binche, à Cham. Ouais, exemple. Malin ça. Bon, cette fois-ci, nous ne sommes pas arrivés jusqu'au sommet. Parfois, il faut savoir renoncer. Ça prouve qu'on se connaît et qu'on connaît nos objectifs. Aujourd'hui, je ne repars pas en tant que perdant. Nous sommes allés chercher les limites de chacun, mais on en ressort la tête haute. On est fiers de nous. Le Grand Paradis était la première étape pour aller au sommet du Mont Blanc. D'ailleurs, en parlant du Mont Blanc, on a calé la date.